Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien sur Rage au tarot gratuit. On est aujourd'hui mercredi le 3 février 2016. Donc je demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre l'intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Et ce, dans le moment présent. Donc, bonne journée aujourd'hui pour la méditation et toute une forme d'intériorisation pour ceux qui le peuvent. Vous aimeriez avoir une lecture d'âme gratuite, ça me ferait gratuite, une lecture d'âme personnalisée, ça me ferait plaisir. Donc, vous pouvez aller sur mon site internet, hein, aller voir www.chantalleduc.ca. Et puis, ça va vraiment, vous allez avoir les explications comment je fonctionne pour les lectures d'âme. N'oubliez pas, je suis coach aussi en PNL. Donc, j'émets des reçus ANN. Si vous avez besoin d'un coaching par rapport à quelque chose que vous vivez, de l'anxiété, toutes sortes de choses là, comme bon vous semble. Qu'est-ce que vous voulez transformer? Donc c'est sûr que là, pour les lectures d'âme, je fais pas, j'émets pas de reçus. Parce que les compagnies, elles, ce qu'ils veulent, c'est vous aider au niveau de votre santé. Bon, ça vous aide, mais c'est pas reconnu. Donc, mais pour ce qui touche les problèmes de santé, on n'invente rien. Mais si vous avez quelque chose que vous aimeriez qu'on travaille en coaching, ça peut être fait. Puis j'émets des reçus ANN. Donc, si vous avez une assurance, ben ça paye un très grand bout. Coaching, dans tous les sens, je peux vous émettre des reçus aussi parce que, ben peu importe, ça va être la décision de votre. T'sais, vous voulez que je coach dans d'autres choses, là, que au niveau de votre travail, au niveau de. Ben, moi, je vais pas écrire des choses qui sont fausses, là, c'est sûr. Mais j'émets des reçus. Tout ça pour vous dire que j'émets des reçus ANN, donc naturothérapie. Aujourd'hui, ce qu'on me dit au niveau des cartes, c'est que il faut ouvrir la porte à l'énergie positive. Parce qu'il y a un, il, ça fait pas, mais en même temps, il faut être capable de dire non aussi. Mais c'est de choisir. Je sais pas si vous êtes amis avec moi Facebook là. Un matin là, j'ai comme pété une bulle. C'est correct. Moi, je vois que c'est une marque d'amour envers moi-même, dans le sens que ça fait des années que j'écoute plus rien de violent, hein. Je me choisis. Donc, autant au niveau des nouvelles qu'au niveau des films, des émissions, tout ça, là, quand je vois que c'est trop, ça vient, ça me touche, je suis empathique. Vous savez, les gens qui sont empathiques ressentent vraiment au-delà d'eux. Donc, puis là, ben, c'est une forme de me nourrir que de positif. Donc, il faut laisser rentrer le positif dans votre vie. Ça va vous permettre de rayonner plus, d'être connecté beaucoup plus avec les énergies de haute vibration. Et ça va vous permettre de voir clairement qu'est-ce que vous avez à voir dans votre chemin de vie. Quand on baigne dans des énergies négatives, de violence, tout ça, c'est sûr que là, on a beaucoup de choses à transcender. Donc, si on baigne moins possible là-dedans, ben quand on médite, quand on rêve, quand tu sais, dans notre quotidien, ben, on n'a pas besoin de faire un paquet de nettoyage avant de commencer à recevoir ce qu'on a à recevoir, puis de bénéficier des bienfaits. Donc, c'est ça. Dans le moment présent, on vous enseigne vraiment à être au niveau du cœur. De vous choisir et de savoir que vous êtes vraiment des créateurs, créatrices, là, que vous pouvez arriver à manifester n'importe quoi que vous avez besoin. Puis c'est de se choisir. C'est en disant non quand c'est le moment également. Pis ça, c'est ce que j'entends. Vous allez exprimer beaucoup plus votre mission de vie. Vous allez entendre beaucoup plus la voix de la source de votre âme, de vos guides, puis
puis vous allez vraiment vous éclater. Donc, ce que ça montre, c'est que vous êtes rendu à un... c'est le temps de bouger sur votre chemin de vie. Je vois la nature qui est là, qui doit être proche de vous. Là, il commence à faire de plus en plus beau, donc on va pouvoir aller plus à l'extérieur encore. Malgré cet hiver, ça a été un bel hiver. Les hivers sont toujours belles, mais je veux dire beaucoup plus douces. Donc, et puis c'est ça, c'est vraiment de se reconnecter à la nature, aux animaux. Puis en même temps, ben, c'est de se mettre dans l'action par rapport à ce qu'on est venu faire sur Terre. Donc, continuer à rayonner, rayonner, aller chercher les énergies des sources terrestres et célestes, ouvrir votre chakra du cœur et rayonner simplement. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent mercredi. Pour les gens qui sont intéressés, ce soir, je vais être connectée à Ligne Vision. Donc, vous pouvez aller sur le site Ligne Vision. Mon IP, c'est le 777. Donc, puis je vais être connectée ce soir. Juste aller sur le site internet ou sur la page Facebook, là, Ligne Vision, vous allez avoir plus de détails. Numéro de téléphone à appeler. Vous avez quelques questions. C'est sûr que, bon, j'ai différentes façons de faire, mais ça, c'est une façon. Si ça vous parle, vous pouvez vous connecter à moi à travers ce médium-là. Donc, ce soir, je dirais 19h à 20h30 environ, je vais être connectée aujourd'hui. Beaucoup d'amour et de lumière, d'abondance, de paix, de joie dans votre cœur. Et je vous dis merci d'être là, merci de continuer à rayonner et à demain. Merci.